Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Avec le Premier ministre Ariel Henry qui a annoncé jeudi 2 septembre 2021, rentrer l'école la fête en béton à Messa. Chef gouvernement fait connaître, rentrer l'école la reportée dans la date 21 septembre pour élèves dans le département qui n'est pas affecté après passage tremblement de terre 14 d'août. Et puis élèves dans trois départements qui sont affectés après rentrer l'école 4 octobre 2021. Le Premier ministre a annoncé qu'il y a une disposition qui prend au niveau gouvernement pour faciliter tout le monde dans le grand site pays à rentrer l'école sans trop de difficultés. Un extrait. Jeudi, nous sommes au Conseil des ministres. Et un point dans le Conseil des ministres, c'est concernant petit nous. Pour nous, dans le gouvernement, il est important que tout le monde soit à l'école. Et période de rentrée scolaire, rentrée des classes, sont périodes qui sont toujours très difficiles dans le pays. Il est difficile parce que nous vivons dans un environnement sociopolitique. Le gouvernement prend décision, fait en entrée des classes en deux temps. Il y a un temps qui concerne les gens qui sont dans une zone qui n'est pas affectée par le tremblement de terre ou qui peut affecter par le tremblement de terre. Rentrée scolaire là. Qui devait faire le 6, nous reportons pour le 21. En fait, nous reportons pour le 20, mais 20 sont jours fériés. 20, c'est la fête de l'anniversaire de l'empereur Dessalines, du fondateur de la République. Et le gouvernement précédent a décidé que 20 sont jours fériés, donc l'école a ouvert le 21. En ce qui concerne zone qui presqu'île du sud, là, trois départements affectés par tremblement de terre. L'école a ouvert le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école dans notre presqu'île du Sud. Là. Pour nous arriver à ouvrir, il faut nous faire un pile travail. Il faut nous retirer des blés. C'est-à-dire qu'à écraser, il faut nous retirer. Il faut nous mettre des structures pour que les gens soient capables d'aller à l'école. Et les gens, c'est quel que soit les gens qui sont dans l'école d'État, dans l'école religieuse ou dans l'école privée. Il faut tout le monde dans presqu'île du Sud à l'école. Nous avons fait un effort. Pour nous faire effort, ça, nous faisons un conseil interministériel composé de plusieurs ministres pour que nous soyons capables de mettre toute force nous pour que le monde puisse rejoindre l'école là à temps. Nous voulons aussi que prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour parents, pour élèves, pour l'école, yo, pour vous l'école. Yo. Donc, tout ça, à petit temps, c'est peut-être ça nous repousser l'école dans presqu'île du Sud-là et nous retarder l'école dans le reste pays. Nous sommes dit que des zones qui ont fait jeudi, le commissaire gouvernement a nommé, le substitut a nommé, qui besoin prêter ses mots, alors que faut qu'il y ait un avis, CSPJ pour prêter ses mots. Il a fait pression sur le doyen pour substituer le prêter serment. Nous devons que juge à tous les niveaux qui n'est pas capable de jouer privilège, que carte de débit, de bon de carburant et indemnité, il n'y a pas qu'à jouer. Parce que c'est présidence SPGA qui compte engager le budget. Le oui, c'est vice-président qui peut engager le budget mondial fini. Mais ce n'est pas le ministre des Finances qui était dossier ça. Non, c'est le salaire. Yes. Ok. Ok. Donc vous salaire, c'est le ministre des Finances. Nous nous trouvons dans une situation, même qui peut signer, qui peut voler le ministre des Finances, pour bailler gaz, pour générateur fonctionner dans le tribunal. Il n'est pas capable. Par les signatures, il faut accepter. Avec deux manches fait pour accepter si un secrétaire technique. Donc on est dans une situation
côté je dis à là au cas où dans le tribunal nous va qu'à ouvrir un ordinateur. C'est là nous même nous pas le faire même. Et bien nous même nous pas dire grève pour nous faire même. Ces situations même du pral empirer une semaine. Et je dis à quoi nous dire. Mais le tribunal où aller là à quai au caille. Il est déjà fermé. Parce qu'après ce séisme, par le sens que j'ai intervenu à Kenyokai, nous sommes en visite là à Kenyokai avec collègue Martel, collègue Dumé. Là, nous arrivons, ce bagage est infernal. Donc, le système n'est pas bloqué. Pourquoi sans que nous-mêmes ne pas lancer au mode de grève? Même si le gamin qui colle est déjà bloqué. Il n'est pas bloqué parce que il y a une décision qui prend le tribunal. Là. Nous voyons si c'était gagné un dossier ou une ordonnance qui prend. Il n'est pas bloqué. Ou un juge de paix qui est déplacé, elle fait constat qu'il y a un président. Il n'est pas bloqué. Ou un juge qui, je dis à là, il y a un dossier. Il n'est pas bloqué. Nous voyons la commission gouvernement monter des sangs. Il n'est pas bloqué. Mais même si on a joué au tribunal, il se pourrait qu'il est bloqué. Nous avons parlé avec qui le doit pour nous faciliter. Nous voulons mieux prêter sa main. Écoutez, le quoi je dis à la prise de fonction, il doit être fait dans le cadre de un consensus normal entre les autorités en place et les élus du CSPJ. Pour la raison simple, nous sommes en dehors de cadre normal. Je passe une prise de fonction. Le Premier ministre et son cabinet ministériel. Il a gagné une prise de fonction. Pas vrai? Gagné un arrêté qui sortit dans le journal, le moniteur, le journal officiel de la République. Pas vrai? Et qu'est-ce qui empêche que même bagarre a fait là? Pour que au moins la justice a administré. Est-ce qu'on demande formel que l'association produit au côté Premier ministre, par exemple? On est en train de travailler là-dessus. Ou dit dans le tweet là, bah, il semble un cabinet d'instruction capable de faire main, doyen capable d'être disponible, juge de paix empêché. Exactement. C'est vraiment un peu fonctionner. Comment il a fait fonctionnel. Vous dites là, il va le bloquer net là, comme vous comprenez. Totalement. Vous dites non, semaine, oui, ça risque d'arriver. Ça arrive avant. C'est possible. Parce que là, nous, situation, pas de papier dans le tribunal, pas de plume, pas de l'imprimature. Ah bon? Parce que faut que CSPJ a monté pour gérer ça. Exactement. Parce que c'est pas nous qui est capable d'engager le budget du CSPJ. Président Association professionnelle magistrat Martel Jean-Claude estimé, la justice manque de répondre avec besoin de la population. Juge Martel Jean-Claude montre la confiance sur ça, il dit, quitte à être fait pour permettre l'appareil judiciaire à bailler un autre visage. Président Association professionnelle magistrat expliqué, il faut qu'il y ait un travail qui fait pour renforcer CSPJ et puis identifier qui monde qui juge, ça a aidé dans la bataille contre la corruption dans le secteur judiciaire. Juge Martin Jean-Claude dans l'émission Mise au point en suite. Pour changer de paradigme vers une justice qui s'auto-administre, vers une justice qui est indépendante, ce n'est pas du jour au lendemain, mais nous pouvons retirer le griffe exécutif là et qui est basé sous de la loi. Il nous demande une réforme légale tout. Pour nous limiter l'intervention, mais effacer définitivement l'intervention de l'exécutif. Mais ça a demandé tout, hein, de juge pour qu'il y ait une colonne vertébrale. Lorsque le juge, par exemple, il y a 30 ans dans le système, il fait 20 ans sous directive ministère de la Justice, qui a passé l'ordre, qui compte transférer. Ce n'est pas du jour au lendemain que lui parle comprendre la nécessité lui-même tout pour lui indépendant. Son travail graduel au fur et à mesure, qui doit être fait pour nous arriver vers l'indépendance totale. Et effective, son bataille qui est très longue, il demande pour nous changer la loi, il demande tout pour nous mieux former magistrats et tout, pour cultiver ça, nous le savoir, être du magistrat, et aussi société à tout, pour lui faire pression tout, à l'exécutif tout, et à juger tout, à s'inspirer tout, lorsqu'on juge des femmes tout, pour le sanctionner. Non, c'est un travail de longue haleine, nous avons besoin que nous soyons impatients, nous avons espéré des résultats plus rapides, mais une situation tellement compliquée, ça prend du temps pour nous donner des résultats que. Et c'est pour ça que nous continuons à gommer et nous avons la foi que avant de mourir, nous avons pour la justice, là, évidemment,
changer de direction, côté que citoyen, un jour, leur famille, côté trois, nous avons dit que nous croyons dans la justice, parce que la justice, elle travaille pour que la justice soit mieux, inspire la confiance. On dit, là, mais, dans le griffe exécutif, la politique, mais il y a des gens qui t'ont dit tout, même qui ont commission, semble bien contre le système, mais tout. Et il y a des gens dans la société civile, là, c'est puissant, tout, qui ont contre le système, mais tout. Oui, malheureusement, lorsque vous gagnez la corruption qui pratiquement à premier en Haïti, malheureusement, la justice n'est pas épargnée, n'est pas épargnée tout des situations de corruption. Et c'est pour ça, d'abord, nous devons screener qui doit magistrat. Il est possible pour nous capables de faire ça. Et ensuite, tout pour nous donner CSPJ qui lui-même tout en mesure tout pour prendre des sanctions exemplaires contre des magistrats qui t'a gagné de preuves d'implication dans la corruption. Maintenant, ce n'est pas une fatalité que justice que nous avons là, c'est produit nous, de pouvoir exécutif là, qui veut que nous comme ça. Malheureusement, tout qui de magistrats qui a laissé influencer par l'exécutif. Nous croyons que comme c'est nous les hommes, les femmes et les hommes de ce pays qui façonnent la justice ça, et nous croyons que il y a un pire monde qui a une volonté pour ça changer, et nous croyons même gens nous construit là, maintenant si il y a une volonté de l'autre monde, nous croyons que nous sommes capables de façonner une autre justice qui parle au service des justiciables, au service de tout le monde, et qui est en mesure pour les servir contre quel que soit le monde qui t'a commis d'infraction. Gen plizye unité traitement de l'eau potable qui installé dans grand site de pays pour faciliter population en Monteyo. Directeur général du NEPA Guito Edouard annoncé gen camion qui disposé pour transporter de l'eau bay moun ki nan zone ki loin ville. Directeur général du NEPA Guito Edouard pour plus précision. Nous prenons de l'eau rivière, nous traitons et l'en fin traitons, nous mettons un dispositif là pour nous boire de l'eau potable. Et l'autre possibilité pour les gens qui habitent loin dans l'autre commune, eh bien, nous mettons un camion que nous désinfectons avant. Et puis, l'en désinfecte camion ça, eh bien, à Jean-Ingénieur Chimiste Langelson Calix Dia, eh bien, une fois que désinfection ça a fait, eh bien, nous sommes capables d'autoriser camion ça, qui a autorisation d'INEPA, transporter de l'eau, à le mettre dans différents abris provisoires que le ministère intérieur, à travers le ministre, a ben autorisation de dire les côtés pour mal pour nous distribuer de l'eau. Ça, ouais, là, qui en dans la localité du Pas, en dans la commune Cavaillon, eh bien, il n'est pas seulement là pour Cavaillon, eh bien, nous prenons de l'eau ça à travers le camion que partenaires nous, tant qu'acteur, tant qu'action contre la faim, solidarité internationale, à côté de camion d'INEPA, loué grâce à la coopération espagnole, grâce à UNICEF, eh bien, nous transportons de l'eau, Saint-Louis et dans d'autres localités. Plusieurs personnes mourir, des cailles qui écrasées et endommagées dans l'arrondissement Ilavache pendant le passage de tremblement de terre. Pasteur Joseph Pierre dans l'église méthodiste Kakok qui t'a expliqué Jean ça passé fait qu'on est catastrophe naturelle ça qui était un choc gain conséquence sur monde qui vivent dans la localité. Pasteur Joseph Pierre dans micro TNH. La première fois dans l'histoire que nous vivons, nous sommes dans l'état comme ça. Deux années, il y a eu un débat à Port-au-Prince, il y a une petite question qui est basée sur Zilea, mais ce n'est pas trop grave. Une fois ça, un peu le monde vraiment frappé par tout le monde de ça, un peu le cahier. Il est impossible pour nous capables d'évaluer la quantité de cahier qui est crasé. Pas rien qui est crasé, bien en endommagé, rien qui est tué. Pour peut-être des vies, nous avons plusieurs mondes qui sont sous Zilea. Mais peut-être qu'il n'y a pas, ce n'est pas sous Zilea. C'est au cahier où il est, et puis il y a mouru. Plus que nous étions venus à venir passer. Pour nous capables d'aider les gens, nous ça c'est retirer du stress de nous réunir avec eux, nous très très tard pour que nous puissions faire trois jours avec eux. Plusieurs bâtiments dans la commune Ansavo subissent un gros dommage dans le tremblement de terre 14 août 2021. Parmi eux, l'église catholique Long a glissé Bois-Rontonnerre. Citoyens ont souhaité responsable Michel Joseph. Bon, je demande aux autorités pour aider ma vie, parce que je perds tout à fait.
Je dis tout à fait, c'est un monde qui m'a montré côté pour moi rester là. Je connais comment je peux aider. Je prends chaque même pour demander spaghetti, bagage. Et là, il prend un petit coup de gérer. Je suis allé mettre des chaillots dehors, je suis allé mettre des barres là, je suis allé me prendre des là, je suis allé la fête. C'est grâce à monsieur ça qui est Madame Elise, je ne suis pas entré, je suis allé dans deux minutes, il est vidé. Je suis allé mettre des lampes, je suis allé spaghetti, bon, tout là, tout est spaghetti. Je suis allé mettre des savons, je suis allé mettre des savons, tout perdu. Ça, je suis allé mettre ça, tant que valise, c'est ça. Mais savon, spaghetti, tout en bas. Oui. Et nous t'a souhaité pour t'envoyer et pour là pour nous, pour t'envoyer tente pour nous, pour t'envoyer bois de pacat pour nous, pour nous faire un abri. Parce que l'air la pluie a tombé, c'est mouillé. Nous sommes obligés de chercher un côté pour nous aller. Commissaire gouvernement Miragouane Langean et Anson Muscadin déclaré gain sécurité qui établit dans la juridiction liant pour faciliter la population à mener activité liée. Chef Paquet a précisé. Toute instance qui t'a voulu porter aide by victime, yo, capable de faire ça. Il y a un bout de déclaration de l'amico Lunel Jean-Louis avec Michel Joseph. Bon, à ce qui a trait avec sécurité, qu'on voit, qui a traversé le sud, qui a traversé le NIP, fais-moi confiance, même si je ne parle pas sur eux. Mais personne n'a osé tenter de venir détruire nos camions. Ok? Ça arrive de l'autre côté, côté que des hommes armés, des individus, des voyous, tenter pour un camion et même arriver vers eux. Mais, à Miragouane, dans le NIP, négatif, pas rien comme ça même. La population n'a presque demi à retrouver. Parce que nous-mêmes, nous sommes là 24 sur 24, 2-3 heures du matin, 4 heures du matin, nous avons toute la rue, nous avons sécurisé la zone. Nous avons croisé avec 2-3 heures du matin, il faut nous connaître pour nous aller. Il faut nous connaître, ça va être dans la rue. Et nous avons arrivé fouillé sur les amis. Finalement, il faut nous connaître, ça va faire. Donc, nous avons mis à Guane, nous faisons confiance, sécurité à taille, à faire petit voler, à casser des pour le monde, casser machine pour le monde, casser magasin, pas de bagages comme ça même. Nous avons fait des conseils avec la police. Je engagé sur les couchers, il y a des zones qui me bralé, je vais la police pour accompagner. Pour mettre campé pour l'arrière, mettre ouvert pour la machine, on fait confiance parce que personne n'est capable d'oser. Même monde au sac du riz. Voilà par l'arrivée quasi cadenas pour prendre du monde, pour voler après moi. Citoyens dans Tiriviani pour expliquer la situation difficile à vivre depuis après le tremblement 14 d'août 2021. En pile dans citoyens qui perdent Kayo. Continuez à demander aux autorités et accompagner pour permettre de reprendre la vie normale. Quelque là dans mon ami Colonel Jean-Louis et Michel Joseph. Il a gardé pour le bâtiment ça. Ça fait 3 secousses. Il prend. 2 tremblements de terre avec Mathieu qui était passé. Mathieu était un gros pied bois là qui est tombé sur lui, qui a commencé à bagarre, qui a fait un signe là, qui a fait un gens qui a pu vivre réparé. Mais comme il y a là, nous pas qu'à prendre réparation là-dedans encore. Mais par casse, nous pas prendre réparation là-dedans, parce que moi-même, pas bien petit, moi, nous sommes d'accord pour nous voir là. Nous-mêmes, nous pas accepté pendant cette zone, nous n'avons pas accepté pour nous venir là. Dans la condition ça, si nous avons venu, l'État n'a pas de problème pour nous venir, il a fait une façon pour nous. Au moins, il a vu la tente, préparé pour passer en pile, pour nous n'avons pas de problème pour nous capable de venir, pour nous destruction, pour nous capable d'avancer. Mais au professeur, pas qu'à venir là, mais dans la condition ça, nous avons demandé l'État, pressé, comme il dit, l'école a prouvé 6 septembre et 6 septembre. Te prévoir, mais comme vous venez virer pour le département NIP ensemble avec Sud, Grand Dans, nous étions les 3 départements ça, et qu'on y a viré pour octobre. Mais tant pour octobre, il a préparé pour presque 3 mois là pour nous dire pour l'école là pour l'ouvrir. Nous demandons à l'État qu'on y a pour venir préparer rapide, lui mettre vin voir et venir garder les spécialistes, venir garder l'école là, mais ça n'a pas réparé. Mais nous demandons là, en attendant, il y a eu un ça a fait pour nous, pour nous faire, mais pour nous mettre préparé l'autre côté, qu'on y a pour être capable d'organiser pour nous capable d'entrer l'école là pour ne pas perdre l'année. Comme le 12 janvier, tu pas qui était saccagé la pile, donc l'État t'est venu qui fait quelques réparations là-dedans, mais qui pas tellement bagaille. Donc vous venez jouer deuxième tremblement de terre qui vient passer là, donc qui vraiment causé des dégâts pour moi-même considérables dans l'ICA. Donc moi-même en tant que professeur qui a collaboré dans l'ICA, donc moi j'ai le petit Jean drôle, donc pour m'en des professeurs, donc pour ta vinchita dans l'ICA, Jean lié à la voix même pour élève you. Donc moi-même ça m'a si j'ai à l'état haïtien. Donc comme lycée a son bâtiment qui est construit de côté dans la cour, il y a un pile espace. Donc je pense que déjà l'état a dû mettre des moyens tels que des abris et provisoires ou bien des tentes
donc pour ta recevoir Timounio en attendant que l'état lui-même l'état ouais ça t'a fait pour lycée donc moi même Jean li a là moi même pas conseiller et pour que lycée Jean li a pour ta recevoir professeur voir pour élève ou bien t'a dit pour ta fonctionner Jean li a donc ça moi même moi suggérer que l'état lui créer une autre façon venir avec des tentes donc pour que ouverture l'école là s'il a fait Jean dit là pour la fête. Au nom du gouvernement et du peuple japonais, je tiens à adresser toutes mes condoléances aux victimes et aux familles de victimes du violent séisme qui a secoué le Grand Sud d'Haïti le 14 août dernier. Devant cette triste tragédie, le Japon exprime de nouveau sa totale solidarité avec le peuple haïtien. C'est dans ce même esprit de solidarité continue entre nos deux peuples que je procède aujourd'hui à la remise officielle de ces équipements agricoles destinés aux besoins du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural. Ce don d'équipement fait suite à la signature de l'échange de notes entre les gouvernements haïtiens et japonais en date de 23 octobre 2018. Il est constitué d'une focuse qui fonctionne déjà dans le département du Nord et de 22 tracteurs agricoles qui seront disponibles bientôt. L'agriculture étant l'un des piliers importants de l'économie haïtienne et un élément majeur dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Je reste convaincu qu'une bonne utilisation de ces équipements apportera une amélioration tangible, aussi bien quantitative que qualitative, aux nombreux besoins alimentaires du peuple haïtien. Exacerbé depuis le 14 août dernier par les impacts terribles du tremblement de terre. Permettez que je saisisse cette occasion spéciale pour saluer et encourager les nombreux efforts d'accompagnement des autorités gouvernementales haïtiennes face aux multiples défis actuels auxquels fait face la population haïtienne. Je vous donne une nouvelle fois la garantie que mon gouvernement est à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. En effet, soyez assurés que le Japon continuera de rester aux côtés d'Haïti dans ce cheminement vers le développement durable d'Haïti, notamment vers l'objectif 2 des ODD, Objectif de développement durable des Nations Unies, fin zéro. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, cette cérémonie témoigne encore une fois la grande solidarité, la longue et sincère amitié du peuple japonais à l'endroit du peuple haïtien. Vive Haïti, vive le Japon, vive la coopération nippo-haïtienne. C'est avec une joie immense et un grand honneur que je procède ce matin à la réception officielle des équipements agricoles achetés dans le cadre du don hors projet suite à l'échange de notes du 28 octobre 2018. Ce don d'une valeur de 500 millions de yens japonais, soit environ 4 500 000 dollars américains, 400 000 dollars américains, s'inscrit dans le cadre d'un programme de développement économique et social soutenu par le Japon. Je veux rappeler pour toute l'assistance que ce don est composé d'un important lot d'équipements, dont une foreuse, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, une foreuse et 22 tracteurs agricoles pour le monde et de gros engins lourds destinés à la construction routière, excavatrice, camions,
niveleuses, compacteurs, épandeurs d'asphalte, finisseurs d'asphalte, etc. Monsieur l'ambassadeur du Japon, le Japon est et demeure un partenaire privilégié d'Haïti. Par ce geste, il contribue à l'amélioration du cadre d'intervention au niveau du ministère de l'Agriculture et au profit du secteur agricole. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais, au nom du gouvernement haïtien, vous prier de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités japonaises nos remerciements les plus sincères et notre profonde gratitude pour la sympathie et la solidarité manifestées à l'égard du peuple haïtien. À travers ces relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, toujours excellentes, Monsieur l'ambassadeur, le programme de développement économique et social est sorti, ce premier financement va se déployer jusqu'à atteindre l'effet ultime de l'augmentation des surfaces agricoles irriguées, l'amélioration de productivité de nos terres, mais également la revitalisation économique des zones rurales pour le désenclavement des routes agricoles. La foreuse est à pied d'œuvre dans le nord et le nord-est évidemment aussi, notamment sur les périmètres de la tannerie. C'est grâce à cette foreuse qu'on a pu avancer avec le barrage de la tannerie. Ce périmètre doit permettre de remettre en eau 3000 hectares de terre. Elle réalisera ensuite de nombreux forages qui seront équipés de pompes solaires pour le développement des petits périmètres irrigués. Donc c'est-à-dire, on utilise la foreuse non seulement pour le barrage de la tannerie, mais aussi pour forer bon nombre de pompes et qu'on va équiper avec avec un système solaire. Ce lot de tracteurs desservira les zones agricoles à forte potentialité à travers des services payants aux producteurs. Soyez rassurés que le ministère prendra toutes les mesures afin que ces équipements-là soient bien utilisés et soient entretenus de manière appropriée. Par ailleurs, dans le cadre du programme de développement économique et social, le ministère entend travailler conjointement avec le ministère des Travaux publics pour améliorer plusieurs pistes agricoles de manière à permettre une meilleure mise en marché des denrées et par là contribuer à l'amélioration des revenus des petits agriculteurs, des petits planteurs. Monsieur l'ambassadeur, au nom de l'amitié Haïti-Japon et au nom de la coopération haïtiano-japonaise, encore une fois, le ministère de l'Agriculture vous remercie. Donc ça c'est continuité, intervention, nous commençons à faire et réponse nous à désastre et tremblement de terre là. Nous réaliser qu'il y a plus de monde qui est affecté et qu'il y a plus de monde qui est provisoire. Donc avion ça, il est venu avec tente, il est venu avec à peu près un peu provisoire qui est capable peut-être de supporter près de 4 à 5 000 familles. Donc nous avons l'autre avion qui est fait venir encore si besoin est réellement persisté. Nous connaissons plus l'autre organisation qui a fait même bagaille là, donc tu as évalué. Donc après 2 semaines et 3 semaines nous là, nous évaluer, nous venons avec une nécessité pour nous retourner avec avion encore. L'hôpital là a fonctionné normalement et nous avons déjà fait à peu près 47 opérations là-dedans. Nous avons déjà à peu près 1000 effractions patients là-dedans. Nous avons 2 appareils qui ont traité de l'eau, Maniche et Chantal, qui ont produit de l'eau dans la zone. Nous avons déjà distribué à plus provisoire et là à plus de 8000 familles.
Donc ça, c'est l'autre avion nous, qui gagne 30 là-dedans avec plus abri provisoire. Et pour nous compter appui nous à pas seulement le sud cette fois-ci. Nous comptons réellement arriver Jérémy avec lui, arriver et Niptou. Parce que besoin nous t'es préparé pour nous recevoir plus de monde. Okay. Nous t'es préparé pour ça. Simplement, nous presque à capacité nous. Nous avons à peu près 160 factions patients qu'on est là chaque jour. Donc nous avons plus de 47 opérations qui sont en fait. Et nous comptons que réellement nous sommes capables de porter appui nous. Mais nous avons plus de nécessité qu'on est là. Et question des abris. Il y a 47 patients qui ont besoin d'intervention chirurgicale. Yo fait yo. Et nous avons plus de 1000 fractions patients à jour. Et nous continuons à produire de l'eau la communauté Maniche et Chantal. Et nous finissons toutes les bâches. Et là, après que vous avez déposé, nous finissons distribuer. Et nous avons nécessité à encore exister. C'est ça que fait l'avion ça a venu cette fois-ci encore. Et nous comptons faire un dernier avion venir si nécessaire. C'est l'occasion ça pour présenter des remerciements à la communauté internationale, là, spécialement Samaritaine First, directeur national là, Pierre Gaugilien et le commandant en chef qui menait l'avion. Dans le cadre de l'ensemble de besoins NIPGAIN, Jérémy Gaïen, eh bien, Fédération lui-même était réadressé avec la communauté. Les protestants, spécialement ça va être une peste, tout est venu à des avions en aide. Donc, il y a des avions de aide qui viennent là, il y en a dans le rivet Pounia et l'autre à Balvini. En façon pour nous renforcer NIP, pour nous renforcer Jérémy. Donc, on a continué à persister pour venir si proche. Mais l'autre 100 000 nous gagnons pour nous essayer d'aider Mounia en façon rapide, parce qu'en plus le monde dans la rue. C'est pour ça que nous avons plus de temps qui viennent là. Et parce qu'après pour nous arriver, nous allons impliquer là totalement et renforcer l'agriculture pour que nous n'avons pas de faire. Mais après, tout de suite, nous sommes après à regarder comment chaque monde a un petit caille priorité. Donc nous avons persisté pour que nous jouions l'autre 100 000 tout, et pas seulement ça m'a été fait, comment nous jouions l'autre association, l'autre organisation internationale là, qui a dit plus d'avions, mais ça m'a été fait répondre à besoin de nous garder dans le moment par rapport à l'eau. On y a près de 70 000 personnes touchées de l'eau. En pile opération déjà faite avec l'hôpital qui est venu déjà. Donc, au CAI, nous déjà avons l'hôpital et nous placer au CAI. Mais on y a, nous allons concentrer sur l'IP à Guinée. La fédération qui fait des demandes à Samaritaine First. Et nous avons le président, nous, parce que Calif Lendo, lui-même, qui était fait des correspondances par rapport aux besoins NIP, aux besoins Jérémy, et puis Samaritaine First répond rapide au support des départements. On peut essayer par gros palais qui est entré. Donc nous sommes son aide spéciale. Et nous remercions l'État qui collabore, le Premier ministre qui collabore avec la Fédération pour permettre que l'aide ça vous arrive à faciliter. Nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti, nous là et nous avons un pile partenaire. Et nous féliciter le directeur Julien Pierre, qui est directeur représentant Samaritaine First en Haïti. Une fois la Fédération protestante d'Haïti qui frappe pour lui, et bien nous avons fait toute démarche pour être capable de venir parce qu'il est attendu dans le journal l'information que nous avons à travers le coordonnateur nous dans le département représentant la fédération. Nous avons un pile besoin toujours, un pile besoin de temps, il y a besoin de pour là, pour être capable de dormir. Et bien nous avons fait demande ça à travers le partenaire nous, Samaritaine First. Et bien l'avion s'est débarqué là aujourd'hui. Je suis venu recevoir Captain George avec délégation américaine. Et bien, être ça arrivé là pour nous. Et il est toujours disponible et disposé pour nous-mêmes. Et toutes les fois, tu as besoin encore. Depuis Fédération fait demande là à Samaritaine First. Il y a l'autre aide qui a venu encore pour nous capables de la population. Mais nous portons environ là 3500 tentes avec pour là pour nous capables de desservir la population NIP là qui pour qu'on joigne dans mes nous. Et ensuite, nous avons l'autre qui a venu selon besoin. Yo. Et nous avons fait tout effort pour la population qui est dans la zone reculée, capable de joindre des moyens pour joindre tentes côté pour nous capables de briser. Donc nous avons parlé premièrement sous visite nous que nous avons gagné au niveau des départements qui sont sud à Grand-Anse, que nous avons eu une chance de visiter, dans le cadre d'une visite évaluation, pour nous avons fourni regarder la situation de Timounio après passage, tremblement de terre là. Donc nous avons eu une chance de visiter Torbec, commune Torbec, nous avons eu une chance de passer Camperin, tomber Marceline, donc River Pestel, jusqu'à ce que nous allons tomber sous Zile Kaimit. Donc constat que nous avons fait sur la situation de Timounio, pas différent.
parce que en pile ti moun yo traumatisé, donc yo peur parce que c'est première fois que yo vivent un événement comme ça. En pile parents aux abois parce que situation économique était déjà pas normale, yo perdit caillou, yo perdit tout ça yo té procédé. Donc remarque que nous t'ai fait au niveau de commune Pestel, c'est que nous n'avons pas même bien accès à de l'eau potable. Parce que le bassin était comme stocké de l'eau la pluie pendant le tremblement de terre, le bassin s'est écrasé. Donc, là, nous arrivons sous les caïmes, la situation était extrêmement difficile. Parce que 11 jours après le tremblement de terre, là, pas de bon aucun support médical qui est arrivé sous les. On était en pile, si nous qui en bas des combes, qui blessés. Donc, nous-mêmes, avec l'équipe, nous qui avons des médecins, infirmières, la dernière, nous avons des psychologues, travailleurs sociaux. Nous avons fait un travail rapide, côté que nous avons des cas. Des timouns qui brûlaient, des timouns qui sortaient en bas des combes, nous te permettent à ce que nous fassions suivi au niveau médical pour mettre timouns à te joindre soin. Donc, on a pris un cas de petit qui brûlait à qui vient 3 ans. Donc, pendant un moment, la bonne fritaille, terre a tremblé. Donc, même côté à l'huile, la saut tombé, petit ça lui-même les brûlait. Donc, moi-même, une chose que nous te gourmets pour lui, c'est que nous dit tout timoun doit avoir droit à la santé. Donc, ce n'est pas parce qu'elle était dans une section communale qui fait que le pas qu'à joindre soin pour le sauver la ville. Ou à garder si petit la voulait vivre, parents ont une volonté, mais on pas qu'il moins puis on bal soin. Donc, nous avons lancé un SOS, solidarité. Nous avons pile médias qui t'ont accompagné nous dans le cadre de solidarité, ça, partenaire nous. Donc, nous disons merci. Isadora, Doudley, Ika, Estin, commencé à reprendre santé li à la normale. Donc nous disons merci pour ça. Et nous avons l'autre petit monde qui a continué à faire suivi. Nous avons pile petit monde qui a transporté qui l'hôpital toujours jusqu'à présent là qui peut retourner la caillou. Deuxième point qui est important pour nous, c'est la position nous que nous avons fixé sous ouverture ou bien report que le ministère de l'Éducation nationale a sorti hier en Conseil des ministres, côté que reporter l'école pour 21 septembre. Donc ça que nous avons dit en tant que monde, en tant que responsable, en tant que monde qui l'a pour faire promotion, pour faire respecter droit de moun yo, côté que Haïti nous-mêmes nous signons une convention en 1994 relative sous droit de moun yo. Nous avons une constitution qui bat nos droits à l'éducation, ça veut dire que l'éducation gratuite. Donc je dis à la nous dit ministère là à 2 semaines report, donc les reporter rentrer des classes. Est-ce que dans 2 semaines ça y est, parents ça y est, qui a des problèmes sociaux, parce que le pays a traversé son problème sociaux, politiques, économiques, est-ce que dans 2 semaines ça y est, il y a bien temps prêt pour envoyer les gens à l'école? Nous disons non, parce que connaissant la réalité comme les gens qui travaillent sur le terrain, qui en contact direct avec la population, nous disons non. Premièrement, en tant qu'autorité, il faut que nous suspendions gérer le pays à comme ça, comme si c'est l'un qu'on est l'école à l'ouvert, laisse ça nous, il faut nous reporter. Quand nous sommes l'école a fermé en juin, nous sommes connus 6 septembre, nous programmer rentrer l'école là. Faut nous commencer à arranger nous pour subvention, aider parents, payer professeurs, construire l'école, faire aménagement. Ce n'est pas l'école à l'ouvert comme si nous tournons l'état pompier, donc nous ne pas jamais comme si nous faisons prévention. Nous-mêmes, je dis à nous dire 2 semaines, nous ne pas retirer rien. L'en a pris disposition, ça y faut nous donner des mesures d'accompagnement pour les parents. Yo. Parce que les parents ne sont pas capables. Imaginez que les parents, c'est la ville là, ils ont brassé, ils ont fait des choses, ils ne sont pas la ville. Journée aujourd'hui à là, les parents eux-mêmes la gué aux abois. Donc l'État prend disposition ça yo, faut lui dire un, l'école a reporté pour 2 semaines, mais qui ça nous prend les parents comme accompagnement. Nous prenons le passer dans le ministère là, nous avons des équipes qui sont là pour prendre doléances nous. Tel groupe l'école dans telle zone là pour recevoir si monde qui pas capable. C'est ça nous besoin l'État dit nous. Parce que droit à l'éducation c'est droit pour tout le monde. Donc aujourd'hui, n'a dénoncé l'école à plusieurs vitesses là dans le pays parce que le résultat là aujourd'hui là c'est prolifération des gangs à travers des quartiers populaires. Car l'avenir repose sur les épaules des jeunes et ce sera à eux avec l'ensemble de la société d'affronter les défis de demain. L'appui de la Suisse aux organisations locales s'inscrit dans une démarche de renforcement institutionnel pour développer des dynamiques de long terme. Nous ne sommes pas là uniquement dans l'urgence de certaines catastrophes, de certains contextes, mais nous souhaitons vraiment développer des capacités sur le long terme et encourager vraiment une dynamique de long terme. L'ambassade de Suisse en Haïti s'engage donc à continuer à apporter sa contribution à la construction d'une société haïtienne, souveraine, comme on l'a dit tout à l'heure notamment, plus juste, dans la primauté du droit, le respect des droits et de la personne et la promotion des valeurs démocratiques en constituent le socle.
Nous sommes convaincus que le développement passe nécessairement par la participation, l'inclusion, l'éducation et le respect des valeurs universelles partagées. L'apport de l'AUF dans ce consortium consiste principalement en dotation de livres aux lauréats, mais pas et uniquement à cela. L'AUF apporte un appui pour permettre d'internationaliser ce concours, pour que le lauréat de l'édition nationale, on va dire, de ce concours de plaidoirie puisse participer au concours international d'éloquence de l'Université Panthéon-Sorbonne, pour que l'étudiant ici aille soutenir ses idées et défendre son pays, défendre son université à l'auditorium de l'Université Panthéon-Sorbonne, donc l'une des plus vieilles universités du monde. L'année dernière, c'était à Roselumann-Saint-Jean d'aller représenter le pays, représenter le concours, représenter son université à Panthéon-Sorbonne. Avant Roselumann-Saint-Jean, on n'a pas mentionné, mais il y avait Esther Grégoire et Jerry Sylvain, donc, qui ont participé à ce concours. Et après Roselumann-Saint-Jean, donc, le lauréat de cette édition va porter haut et fort les couleurs du drapeau haïtien au concours international d'éloquence de l'Université Panthéon-Sorbonne. Ce qui nous retient surtout à cœur, c'est la prestation de nos jeunes à ce concours qui nous donne des lueurs d'espoir sur l'avenir de la justice et du droit en Haïti. En effet, si je devais répéter John Rawls, la justice est aussi sociale. C'est l'égalité des chances, c'est la lutte contre toute forme d'exclusion sociale, et c'est aussi la lutte pour le revenu minimum d'insertion. En effet, pour pouvoir participer dans ce concert, on a cru que le dialogue est un instrument incontournable. Ce dialogue, qu'on préfère appeler ailleurs l'arme de la dialectique, si nous ne voulons plus céder à la dialectique des armes. La dialectique suppose que je dois accepter la contradiction parfois, que je dois accepter l'opposition parfois, que je dois accepter la contrariété aussi. Mais cependant, comment faire cette synthèse, cette harmonie des contraires, si nous n'étions pas capables de nous élever au-dessus des intérêts personnels ou mesquins pour pouvoir regarder en face l'avenir de la nation qui est celle qui nous a vu naître et que nos parents nous ont légué. Et c'est par ces mots-là que je me dis encore, pardonnez-moi ce chauvinisme, d'avoir été formé par la faculté qui a donné l'ancienne lauréate. Mais je dirais aussi au lauréat du jour, il y a encore beaucoup de responsabilités sur vos épaules pour faire monter plus haut le drapeau. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez, attendez. Des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.